Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Axel Crafpé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler à propos de la 0.12. Et oui, la 0.12 a finalement été confirmée. La date, elle a été confirmée, vraiment. Quand je dis confirmée, c'est confirmé. D'ailleurs, ils l'ont déjà rajouté dans l'App Store. Pour iOS, elle devrait être disponible le 8 septembre, donc dans 4 jours précisément. D'ailleurs, vous voyez un tweet sur l'écran qui vous dit de Tom Sisley qui dit que la 0.12 devrait être prête le 8 septembre, qui est dans 4 jours précisément. Aussi, donc on va pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés que les utilisateurs d'Android avaient, que nous ne pouvions pas avoir, et tout ça et tout le tralala. Aussi, pour Android, ça s'adresse à tous ceux qui utilisent des tablettes, des téléphones et tout Android. Donc pour vous, vous n'aurez pas la version officielle de la 0.12 maintenant. Vous, à la place, vous allez avoir une bêta 14. Je sais pas trop pourquoi, peut-être à cause de quelques bugs et tout. Donc vous allez avoir la bêta 14, alors que les utilisateurs iOS vont avoir la version officielle. Donc là, je vais juste vous montrer une photo de comme quoi il a rajouté dans l'App Store. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, quand il sortira, je ferai une présentation complète de la 0.12. Donc, je présenterai toutes les nouveautés, quelques quelques bugs qui sont faits fixés et tout. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo pour vous informer à propos de ça. Si vous voulez plus d'informations, je mettrai mon Twitter dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou même vous abonner. N'hésitez pas à commenter à commenter aussi à propos de la 0.12 si vous êtes excité, vous avez hâte, qu'est-ce que vous aimez le plus dedans. Des commentaires à propos de n'importe quoi, à propos de la 0.12. Donc c'était Axel Crafpé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit la prochaine fois. Allez, bye bye.